Bonjour et bienvenue sur Plein Sud TV pour ce nouveau numéro du mois d'octobre 2007. Au sommaire de cette émission, du trampoline avec les jeunes athlètes antillois qualifiés pour les championnats du monde au Canada. La magnifique deuxième place de Simon Jean-Joseph sur le rallye d'Antibes. Et enfin, c'est une institution Antibes, le Bœuf Théâtre créé par Monette Candela il y a 30 ans, voit revenir sur ses planches de nombreux talents antillois. Un reportage signé Geneviève Noiret. Ben voilà, le Bœuf Théâtre a 30 ans. Le Bœuf Théâtre a démarré dans un jardin avec plein de comédiens qui avaient envie de se retrouver. Et ça fait 30 ans que tous les comédiens qu'on a rencontrés un petit peu partout en France et qu'on aime se retrouvent à Antibes, à Jean-les-Pins. Et cette année, 30 ans, donc on a invité ceux qu'on préfère. Il va y avoir dans l'ordre... Je ne sais pas. Ouais, c'est tout. Donc voilà, je suis venu l'année dernière à Antibes pour le festival le 29e. On m'a demandé cette année de présenter tous les soirs, je suis ravi. Donc je présente, mais à ma façon, ce n'était pas des présentations classiques, c'est une présentation bien décalée, bien folle, bien délirante, comme j'aime. Mais, il y a ce soir, Bernard Azimut. Bienvenue à bord de notre DC-D, DC-10, à destination de Ouangpoula. Vous avez choisi notre compagnie, nous espérons que vous avez fait un bon choix. Et que vous ne le regretterez pas. Nous vous prions d'attacher votre ceinture de sécurité et de la maintenir attachée pendant le vol. Sauf lors de vos déplacements en cabine. Sans ceinture, vous le verrez par vous-même, ce sera moins pénible. Vous avancerez plus vite. En cas de dépressurisation de l'appareil, les masques à oxygène, malheureusement très lourds sur cette compagnie, tomberont de même sur votre tête. Enfin, pas loin, à côté, hein. Si vous vous poussez un peu, vous ne risquez rien. C'est moi, c'est Bernard Azimut. Voilà. Alors, vous voulez que je tienne le micro? Non, pas du tout. Ah bah c'est un grand grand bonheur d'être là parce que c'est une famille, on est en famille, on est entre amis, on est du même plaisir, de la même joie, du même notre point de départ, c'est quand même la déconnade, le rire et puis pas se prendre au sérieux et s'amuser quoi. S'amuser pour amuser les autres. Le poète, as-tu un beau, n'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Eh bien, la plupart des ronronnes, aïe. M'appelle Manu Croupit. C'est Croupit qui va nous refaire des petits numéros visuels. Vous allez voir, ça va être génial. Il va faire des trucs en musique, machin, il bouge aussi. Un peu comme moi, quelque part. Nous on fait ça pour faire plaisir à Monette, parce qu'autrement on a des trucs à faire. Bah, ce soir c'est ce qu'on appelle les plateaux, hein, comme tous les soirs. C'est-à-dire qu'on est ce soir on est trois artistes et donc il y a deux univers des gens qui font du texte comme Vincent Roca et Bernard Azimut. Et puis Eric et moi on est deux visuels. Donc c'est assez mélangé, c'est bien. Je suis Vincent Roca, je viens de loin. Où le mot arbre ne prend pas de H, mais bûcheron, si. Oui, rondelle, la chose est bien faite, s'écrit avec deux L et hasard avec un D. Ben moi, j'ai fait mes classes ici. Et Monette est venue me voir dans un petit café-théâtre derrière la Criée à Marseille. Et voilà, elle m'a fait venir ici, c'est un vrai bonheur. Cassis, orange ou mûr, on se crêpe le chignon. Mais au pied du Saumur, on ne voit pas le Mâcon.
Voilà, et ce soir, je fais un extrait d'un spectacle tout récent qui s'appelle Delirium Tremo. Et j'essaye de relever un peu le niveau parce que j'ai des grimaciers derrière. C'est que dans l'autre monde, tous ces ustensiles ne sont que des jouets. On joue au docteur. Dieu est un grand compte en cardiologie et les anges sont des miraculés. Dans le spectacle, chaque soir, il y a des virgules. Quand même, c'est un virgule, puisque c'est un mec, hein, quand même. C'est Vincent Copain. Voilà. Salut les copains. C'est Vincent Copain. Mais appelez-moi tout simplement ce soir Vincenzo Forever. J'ai le plaisir d'être ce soir au 30e Boeuf Théâtre. Voilà, pour présenter trois extraits d'un spectacle qui s'intitule « J'ai un petit objet à vous offrir ». J'adore ta bobine, Azor, j'adore tes babines, Azor, j'aime ton poil soyeux, tes bons yeux si bleus, qui pleurent un peu, qui pleurent un peu. Ton cœur a fait ma ruine, Azor, il faut que je turbine. Tout a commencé par une invitation à un anniversaire au Café Théâtre La Seyne-sur-Mer à Antibes. Et puis Monette et Fabienne Candela ont eu la gentillesse de me reprogrammer quelques temps après, en 2004, pour présenter le spectacle dans son intégralité au Café Théâtre pendant quelques jours. Ah, c'est un moment inoubliable. On a découvert Bernard Azimut, qui était vraiment génial, qui nous a fait beaucoup rire. Et je pense que je reviendrai peut-être demain, je sais pas. C'était vraiment dans l'esprit du Boeuf, des anciens copains qui se retrouvent, et vraiment fabuleux. Le public était chaleureux. On est là pour la fête. C'est une fête, un 30e anniversaire. 30 ans. Waouh. Est-ce qu'on sera encore là à 40? On y va! Oh, et voilà, ouais, ça, c'est une grande histoire, ça. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire que, depuis que les comédiens sont à la maison, chaque fois qu'ils partent, je leur dis « ramène du pain !» Alors ils m'envoient des cartes postales de Bretagne en me disant « je te ramène du pain !» Ou alors sur l'ordinateur, je te ramène du pain !» Et voilà. Un peu de nostalgie pour continuer ce journal. L'association Notre École organise chaque année l'examen traditionnel du certificat d'études. Une façon de réfléchir sur notre système éducatif. Un reportage signé Alain Fichot. Eh bien aujourd'hui, c'est le certificat d'études, 9e édition. Je suis président de l'association Notre École et dans nos activités figure évidemment l'organisation de ce diplôme fort prisé autrefois, le certificat d'études. Premier problème sur 8, deuxième problème sur 12. Et on a 50 minutes pour les deux. Oui. Ah, les corrections, c'est, on s'amuse parfois, vous voyez, puisque nous avons un candidat qui fait de l'humour. Puisqu'il s'agit d'un terrain de rugby, et il nous écrit, ne sachant pas avec précision ce qu'est un drop, le mot est-il dans le dictionnaire? Je réponds avec la méthode au pif. Bon, c'est pas grave, je rends moins 5 points, c'est pas mal quand même. Sur combien? Sur 20. Correction de mathématiques, pour l'instant, j'ai eu que des bons élèves, des bons candidats. Il y a des réponses amusantes. Alors, le monsieur a trouvé, à vue de nez, un peu moins de 40 km/h. Ce qui est tout à fait juste, parce que c'est 38,8 km/h.
Il n'a pas fait le calcul, il n'a pas su le faire. Je vais mettre quand même un point. Je vais être gentil. Oui, on essaie d'être indulgent. On sait bien qu'ils ont moins d'entraînement que les élèves de l'époque. Alors c'est Madame Odizio Myriam qui est cette année première du canton. Je m'étais toujours dit que moi ne l'ayant pas, j'accomplirai enfin mon rôle de bon fils en l'ayant. Ah oui. Monsieur Guy L'École. Le Festival mondial de l'image sous-marine s'est tenu pour la première fois sur le parc de Marineland. Une édition qui s'est tenue du 24 au 28 octobre, une occasion unique de découvrir avec Alain Fichaud des images exceptionnelles. Vénus a été taillée dans un corail de mer de Chine, qui est sculpté par l'artiste Carlo Parlati, qui a sublimé le corail. Ah oui, la mer, il y a une source vraiment impressionnante. C'est vrai que si on prend ses idées dans la mer et dans le cerveau, au niveau imagination, c'est inépuisable. D'avoir les pales qui sont libres, eh bien l'encre a très peu de chances de rester. Je ne dis pas qu'elle ne restera jamais bloquée dans les rochers, mais l'encre ne restera jamais bloquée par ses pales, du fait que ses pales sont libres. C'est un casque qui marchait à l'hélium, c'est-à-dire pour des plongées profondes, 20 kg. Nous sommes des passionnés. Mais oui, bien sûr. C'est ce que nous fait avancer, on n'est pas des professionnels. Hein. Nous ouvrons à présent la page sport avec des jeunes filles d'exception. Tiffany, Olivia, Melissa et Marlène pratiquent la danse acrobatique. Elles se sont qualifiées pour les championnats d'Europe qui se sont déroulés aux Pays-Bas du 24 au 28 octobre. Les voici à l'entraînement, un reportage signé Monique Januel. Tu l'attrapes sur ton épaule, c'est 5 dixièmes ça, Mélissa. Tu dois pas l'attraper sur ton épaule. C'est le départ pour les championnats d'Europe qui s'effectue dans une semaine. Avec l'objectif, ce serait de se sélectionner pour être en finale. Et puis après, pourquoi pas, si on peut essayer de se rapprocher un maximum du podium. Donc du coup, au niveau de la charge des entraînements, là on est à quasiment 21 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup, parce que c'est quand même des filles qui à côté ont une scolarité qui est tout à fait traditionnelle et tout à fait normale. Donc c'est pas évident. Donc là plus on avance et plus ça progresse, plus ça se perfectionne, mais en même temps elles sont de plus en plus fatiguées, ce qui est normal. Tous les jours on fait 9 exercices. Donc on est un peu fatigué, mais sinon ça va. Qu'est-ce qui vous apporte ce sport ?
Bah, du plaisir. C'est vraiment, on fait ça. On dirait pas parce que ça a l'air tellement dur. Que... Oui, mais après, quand on arrive en compétition, on est tellement fiers de ce qu'on fait, on est tellement contente que ça devient vraiment un plaisir, quoi. Les mauvais côtés, on les met à côté et on garde que les bons souvenirs. C'est ça qui est super. De réussir à mélanger le côté très technique et l'artistique, voilà, c'est ça ? Voilà, de faire avec telle légèreté que les choses techniques très difficiles, à l'apparence, deviennent très faciles. Et donc ça demande beaucoup de rigueur ? Beaucoup de rigueur, des concentrations qui ne doivent pas être apparentes en même temps. Donc c'est très difficile aussi. Encore répéter pour vraiment jusqu'à ce que ce soit la perfection absolue. Ça vous motive ça d'atteindre la perfection? Bah oui, c'est notre but et puis on travaille pour tous les jours. Nous retrouverons prochainement des images des athlètes de la danse acrobatique du championnat d'Europe. Ils sont aussi très souples et très toniques, les trampolinistes du club d'Antibes. Ils se sont qualifiés pour les championnats du monde par catégorie d'âge au Canada. Un reportage de Monique Januel. Hop ! Oh ! Hé ! T'as vu la vitesse là, comme t'es plus forte ? Encore ! Fais planer le tendu là. Laisse tomber les bras. Je suis l'entraîneur responsable trampoline et j'entraîne uniquement les groupes compétition. Vous êtes à quelques jours, je crois, d'un déplacement important. Alors, c'est un championnat du monde par catégorie d'âge. Et donc ces jeunes-là, les Antibois, les quatre Antibois, ont été sélectionnés. Et maintenant, ils sont pris pour partir à Montréal pour la compétition internationale par groupe d'âge. Alors pour toi, raconte-moi, c'est une grande aventure, quels sont tes objectifs? Oui, c'est la première fois, donc on va essayer et puis on va bien voir ce que ça va donner. T'as beaucoup travaillé pour ça? Oui, quand même, ça fait toute l'année qu'on le travaille, qu'on essaye de se sélectionner et qu'on travaille les livres qu'on va faire. Donc, Plus fort en jambes, Laura, s'il te plaît. Alors les qualités physiques d'un trampoliniste, c'est bon déjà ne pas avoir peur parce que c'est de l'acrobatie pure, donc c'est un engagement physique. La qualité physique principale, c'est le dynamisme, c'est l'équivalent d'un 400 mètres en athlétisme, court, intense, qui fait monter énormément les pulsations cardiaques. C'est fatigant Morgane de faire un programme comme ça? Ouais. Et c'est des gens qui sont toujours en contraction musculaire. Donc une tonicité, on va dire c'est un peu un 100 mètres en athlée. Voilà leur qualité. Après, c'est une intelligence, on va dire, de coordination des segments de son corps dans l'espace. C'est ce qui permet de faire des sauts périlleux et des vrilles. Il y a un côté chorégraphique aussi, un côté esthétique, on va dire ou... Alors voilà, il y a deux choses qui est notée en compétition. Il y a la partie acrobatique pure, c'est une note qui est donnée par un juge, c'est la valeur acrobatique, le nombre de sauts périlleux, le nombre de vrilles, et à côté de ça, l'ensemble du mouvement, on dira comme le patinage artistique, est noté sur la qualité. Allez, un dernier. Les routes de nos régions aiment bien les voitures de rallye. Biot a organisé les 6 et 7 octobre dernier sa traditionnelle course de côte. Des images et un son spectaculaire signé Alain Fichaud. Mmh.
Aujourd'hui, non, ce sont des essais libres. C'est juste pour apprécier, reconnaître. Demain matin, essai chronométré, demain après-midi, course. Cette course-là, il y a toujours du monde. Je pense que c'est parce que le revêtement, c'est propre, c'est large. C'est plus favorable. C'est plus favorable aux filles. Très bien. Ben, c'est les essais. Hein. On teste, on prend un peu surtout des points de repère quoi, pour les freinages. Parce qu'il y a des freinages, il y a des gros freinages. Très bien. Donc, ok, merci. On repère. C'est la course la plus importante après le rallye de Monte Carlo. Le rallye d'Antibes s'est tenu du 18 au 21 octobre. C'est la course la plus longue de notre région. Cette épreuve compte pour le championnat d'Europe des rallyes. Alain Fichot est aux commandes. Je veux absolument être présent sur ce rallye d'Antibes. C'est un beau rallye, c'est le rallye le plus long qui se déroule en France. Ce rallye d'Antibes Côte d'Azur, dernière manche, je me rappelle, du championnat d'Europe des rallyes 2007. Bonjour Jean-Charles, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, ça fait plaisir. Bah, ici. Prêt ? Voilà, fin prêt, il n'y a plus qu'à maintenant. On est prêt. Pas peur, pour l'instant ça va. Et l'équipage vainqueur, Xavier Quinsac, Émeric Duchemin, sur la plus haute marche. C'est le podium de la dernière manche. Et musique ! Voilà, merci à tous. Pour clore ce journal, nous allons vous parler de musique et de jazz avec l'impertinente Jazz Band. Alain les a rencontrés à l'occasion d'une séance d'enregistrement studio. Alors Alain, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce groupe musical ? Eh bien, le groupe est dirigé par Norbert Sola, qui est l'arrangeur. Et la spécificité du groupe, c'est de faire des arrangements à partir de morceaux connus. Et ces arrangements, il les fait sur des thèmes de bossa nova, de tango, pourquoi pas de reggae, et même il a une partition avec du rap. Donc c'est complètement nouveau, c'est un concept complètement nouveau, c'est une voie qu'il est en train d'explorer et que j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer. Et l'occasion de cet enregistrement, c'était quoi ? C'était pour sortir un nouvel album ? Voilà, alors l'enregistrement, c'était pour créer un nouvel album. Et donc dans les musiciens, nous avons le pianiste qui a aussi une boîte à rythme qui permet d'asseoir un peu la rythmique du groupe. Après, il y a un guitariste, un batteur et Norbert ainsi que le guitariste font du chant. Et cet album, il s'appellera comment ? Si toutefois le nom est déjà créé, il sortira quand ? A priori, impertinente jazz band, sinon j'en sais pas plus, mais j'irai les suivre pour vous tenir au courant. Merci.
Le groupe s'appelle Impertinent Jazz Band. Impertinent parce que les thèmes qui ont été arrangés, ils ont été arrangés avec beaucoup d'originalité. J'ai toujours observé, surtout dans le jazz, qu'au bout du quatrième morceau, les gens lèvent le nez. Et donc, j'ai horreur de ça. Ça veut dire que toutes les 16 mesures, pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est d'une manière impertinente que j'ai arrangé tous les thèmes. J'ai essayé d'associer plusieurs styles et rythmes, par exemple Summertime, que nous jouons en reggae. Et aussi, par exemple, Softly as in the Morning Sunrise, et que moi j'ai arrangé en tango. Oh, funny, with all the glow of sunrise, burning kisses silly, though that's always strange. Et donc, c'est d'une manière impertinente que j'ai arrangé tous les thèmes. Il suffit donc d'écouter le CD pour s'en rendre compte. Et bien voilà, cette édition est terminée. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, nous avons besoin de vos images. Si vous êtes passionné, si vous êtes sportif, si vous faites partie d'une association, nous avons besoin de vos images pour faire vivre cette télé citoyenne. Rejoignez notre équipe. Nous vous formons. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour faire vivre. Nous sommes là pour vous donner de l'information. À bientôt.